changer la suspension. On sait pas où est le petit cliquet de 13. Bon, là, comme la voiture est posée au sol, l'amortisseur reste en l'air. Bon, à part qu'il est mort, il va peut-être descendre. Salut. Il est parti, oh. Bon, maintenant, faut lever la voiture. Voilà. Ça va, j'ai toujours mes pouvoirs. On passe en dessous, et là, on va démonter ici. Alors, c'est du 18. Tiens bien. Et voilà, on a un. Deux. On va mettre deux neufs. Stark Industries, il y a marqué là. C'est Tony Stark qui l'a fait. Même pas cher en plus, parce que ça vaut 25 euros. Mais bon, il y avait marqué x2. Donc ça fait 50 euros. Et avec les taxes et l'envoi, ça fait 60 euros. Voilà un amortisseur neuf. Et un amortisseur pété. Voilà. Ça, c'est clair, ça ne peut pas faire ça. Pourquoi j'ai démonté la coupelle complète? Parce que c'est plus facile de l'enlever ici. Si on essaie de dévisser l'amortisseur, il tourne avec. Donc, on tient là. Voilà. À la péteuse, ça marche pas non plus. Quoi, je sais qu'avec un cliquet c'est plus facile. Ok. Tremblement de terre. Ah. Comment vérifier que la coupelle est bonne? Elle est presque bonne. Presque c'est bon. Ouais. Oh. On met la coupelle comme ça, comme ça. Pas comme ça. On cherchait pourquoi. Je vous expliquerai dans. Non, je comprends en fait. Devrait être bon. Ok, et on replace ça. On remet l'amortisseur. On vise le haut, dans les trous, comme ça. On pousse un peu l'amortisseur. Oui, 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 oui. On voit qu'il est neuf. Hein. Tu pousses doucement, il n'y a pas besoin de pousser fort. Hop, on vise le trou. Hop. Et hop. Ok. Bon. Voilà. Voilà, pareil de l'autre côté. Voilà. On peut enfin, avec les rondelles, bien sûr, pouvoir resserrer le haut. Maintenant, on redescend la voiture. Bah alors. Ah, il est bien quand même. Comment on sait que la suspension est morte? Si la voiture remonte avec des rebonds, c'est pas bon. Si la voiture remonte et s'arrête, c'est bon. Voilà.